à moi-même, de moi-même. Je présente ce message mes enseignes, qui est peut-être réel ou imaginaire, connu ou inconnu. Les personnages sont de chair et d'os ou virtuels. Ils viennent peut-être d'un long métrage à propos de l'humanité. Le prophète s'est levé parmi les décombres. Pieds nus, il avance. Il regarde devant lui et pleure. Il pleure beaucoup. Il se tait longtemps. Longtemps. Il arrive près de la foule. Il pousse un cri déchirant vers le ciel. Il s'écrie: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les personnages, mémoire intérieure. Nous laissons toujours la vérité venir à nous, dit le poète Omar Suleiman. Scène 1. Au centre de la scène se trouve un écran éclairé d'une lumière blanche. Une jeune fille, les yeux fermés, se tient debout, le dos appuyé à un poteau sur le côté de la scène. Pendant 5 minutes, un film défile sur l'écran. Il montre les souffrances humaines pendant les Première et Deuxième Guerres mondiales. Hitler, Mussolini, Staline, Ceausescu, Milosevic, le Vietnam, l'Irlande, le Chili, le génocide arménien en Turquie, le massacre de Sabra et Shatila au Liban, de Jenin en Palestine, des Kurdes à Halabja en Irak, des scènes de Hiroshima, de Nagasaki, de la Bosnie-Herzégovine, d'Afghanistan, des scènes de nettoyage racial, ethnique et religieux, l'Holocauste des Juifs allemands, des scènes montrant Bouazizi en Tunisie, la révolution de Tunisie, d'Égypte, de Libye, du Yémen, du Bahreïn et de Syrie. Le film muet défile sans musique. Un musicien pourrait accompagner les scènes en live. La jeune fille tient des feuilles à la main. La jeune fille. J'ai dit les deux en main. Le premier fait partie de l'histoire de mon pays. Et le deuxième fait partie de l'histoire de ma vie. Ils ont dit, qu'en est-il d'Ali? J'ai dit, il fait partie de l'histoire de mon pays, mais Omar est sublime, il est mon pays. J'ai dit, je t'aime, Omar. Ils ont dit, qu'en est-il des califes Osman et Abou Bakr? J'ai dit, ils font partie de l'histoire de mon pays, alors qu'Omar, il est ma protection, ma ceinture, mon alphabet. Il est, je suis, depuis toujours, mon amour. Je ne cesserai jamais de répéter, je t'aime, Omar. Voix off, Abba Omar, une autre voix, Abba Ali. أنا لا الزمان أنجبني. Le temps ne m'a pas engendré. ولا المكان أوجدني. Le lieu ne m'a pas donné naissance. قبل الزمان والمكان وجدت. J'existe avant le temps, avant le lieu. أنا لا التراب شكلني وصورني. صورت قبل أن يصورني. ولا للماء من فضل علي. قد كنت قبل أن يكن في. ولا الرياح حملتني. ولم تسوني النار كما شاءت ولا المعادن انصهرت بنار النار La glaise ne m'a pas modelé, j'ai été modelé avant. L'eau non plus ne m'a pas fait de cadeau, j'ai existé bien avant qu'elle n'existe en moi. Les vents ne m'ont pas porté, le feu ne m'a pas attisé à sa guise, les métaux n'ont pas fusionné dans le creuset du feu. قد فكرت
ثم قال ثم فعل. فكان الفعل كالفكر وكالقول وكان الكل كالكل. تجزأنا، تفككنا، جمعناهم فكناهم وكانون. Il a pensé, puis il a dit, puis il a agi. L'acte est comme la pensée, comme la parole, le tout est comme le tout. Nous avons été taillés, décomposés, puis nous les avons réunis, nous avons été eux, ils ont été moi. Scène 2, la jeune fille. Nous voulons planter des oliviers sur le littoral à la mémoire des martyrs syriens. Scène 3, la jeune fille. La nawardatun fi kulli makan. À nous la fleur partout. Lana urniyatun satughanna. Kalimatun satuktab fi safahat. Wa tantami li kulli al-judiyya. Lana at-tarikh. Tarikhun urikha wa yu'arrakh. Lana az-zaman wa lana al-makan. An nakun la ya'ni al-bahth 'an al-kaynuna. Ya'ni an nakun wa antah. À nous la chanson qui chantera partout les mots écrits sur les pages. Ils appartiennent à tous les alphabets. À nous l'histoire qui a tracé et qui tracera. À nous le temps, à nous le lieu. Être ne signifie pas chercher l'existence, mais exister tout simplement. Fashukran li kulli man. Wa shukran li kulli man. Wa shukran li kulli man. Ya man, shukran lakum jami'an li annakum kuntum wa li annani ma kunt. Ma kuntu hatta hadhihi al-lahza. Ma كن فأكون وكن فيكون ولله في خلقه شؤون. Merci à tous ceux qui, à tous ceux qui, à tous ceux qui, merci à tous parce que vous êtes, parce que je ne suis pas jusqu'à cette minute existé et j'existerai. Dieu est libre dans sa création. Scène 4. Une voix. وبدنا نشيله لبشار وبيهمتنا القوي سوريا بدها حري سوريا بدها حري يا بشار ويا مندس وتضرب انت وحزب البعث روح وضبط حرف الاس ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يلعن روحك يا حافظ يلعن روحك يا حافظ. Nous voulons faire tomber Bachar grâce à notre volonté inébranlable. La Syrie veut la liberté, la Syrie veut sa liberté. Bachar, t'es qu'un infiltré, maudit sois-tu, toi et ton parti Baas. Va apprendre d'abord à ne pas osoter. Dégage Bachar, qu'elle soit maudite l'âme de ton père Hafez, qu'elle soit maudite l'âme de ton père Hafez. La jeune fille. إني اخترتك يا وطني حبا وتواعيا إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني. Je t'ai choisi librement, ô ma patrie. Je t'ai choisi secrètement et ouvertement, ô ma patrie. Que m'importe d'être renié par mon époque. Si toi, tu te souviens de moi, ô ma patrie, ô ma magnifique patrie. La lumière s'éteint. Scène 5, la jeune fille. Je veux pas rester ici. Une voix. Pourquoi? Je veux rentrer à Damas. Il y a la guerre à Damas. Il y a l'amour à Damas, des hommes armés, des tirs. Il y a du jasmin et du laurier. Tu seras tué. Je vivrai dans un arbre, dans un laurier, dans un olivier ou dans un plant de basilic. Ici, il y a la sécurité. Ici, tu pourras créer, réfléchir, sans risquer d'être tué. Tu pourras refaire du théâtre. Là-bas, il y a le théâtre, la vie. هنيك عم تتصدر البطولات. هنيك الحياة والموت والموت بالحياة. وهنيك اللغة والمفردات. هنيك الحقيقة كاملة.
مين قال إنه في أمن وأمان بأي مكان بالعالم؟ العالم مليء بالموت. Là-bas, les actes héroïques s'inscrivent. Là-bas, il y a la langue et les termes. Là-bas, la vérité est entière. Qui dit que la sécurité existe quelque part dans le monde? La mort est partout. ممكن تصحى تموت، ممكن تموت بدعسة سيارة، تمرض، تختنق، تنجلط، الموت أقرب من شهيقنا لزفيرنا. بس يا خسارة على اللي ميت وهو حي، ونيال الحي الميت، ونيال الحي الحي. يعني كل الناس عم تموت لتحيا. Là-bas, les gens meurent tout simplement. Faut pas que tu meurs. Faut pas qu'il meure. Et tu voulais coucher trois jours sur le trottoir. Oui. Mais je voulais un trottoir à mémoire. Tous les trottoirs possèdent une mémoire. Mais la mémoire de mon trottoir me ressemble. Laisse un souvenir sur ce trottoir. La lumière s'éteint. Scène 6, trottoir 1. La jeune fille. Je veux pas quitter la Syrie même s'ils me découpaient en 1000 morceaux. Une fois. Ils vont te tuer. Faut que tu partes. Rien au monde ne me ferait partir. Tu n'as plus rien ici. J'ai tout ici. Ma mémoire, mon enfance, ma jeunesse, mes joies, mes peines, ma colère, mon calme, ma révolte, ma sérénité, mes rêves, ma vie, ma mort. Faut que tu préserves ta vie. Tu aurais fait quelque chose pour le pays. Tu aurais aidé les gens qui espèrent ton aide. Si tu meurs, ils seront brisés. Si je partais, c'est moi qui serais brisé. Et si j'étais brisé, je pourrais plus rien faire pour eux. Est-ce qu'il te faut mourir ou être emprisonné pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose d'important? Je ne dois pas partir. Et ça, c'est important. Tout le monde veut fuir. Ils me veulent lâche. Je peux partir quand je veux. Mais qu'est-ce qui arrivera à ceux qui ne peuvent pas partir? Elles peuvent crever pour que je vive, moi? Non. Je ne partirai pas. C'est leur choix. Et quel est notre choix, nous? Scène 7. Trottoir 2. La jeune fille. Au secours, Damascène. Le peuple syrien ne sera pas humilié. Le peuple syrien ne recevra pas de coups de fouet dans les rues. Voix 1. La ferme, pute. Vous avez détruit le pays. Au secours, Damascène. Le peuple syrien ne sera pas humilié. Voix 2. Abattez-la, cette chienne, abattez-la. Notre patrie chérie. Le peuple veut la liberté. Voix 3. La ferme, pute. Voix 4. Elle s'est sauvée, rattrapez-la. Dieu, la Syrie, la liberté. C'est tout ce que nous voulons. Voix, Dieu, la Syrie, Bachar, c'est tout. Avec tous les accents du pays. Attrapez-la, elle arrive par ici. Attrapez-moi si vous voulez. Mais d'abord, montrez-moi le décret signé par Bachar l'Assad, qui interdit à quelqu'un qui voit quelqu'un se faire battre sauvagement dans la rue de ne pas s'écrier « Le peuple syrien ne sera pas humilié. » Arrête. Je vais peut-être mourir. Cachez-moi. Voix, Dieu, la Syrie, Bachar, et c'est tout ce que nous voulons. Voix d'un jeune homme, accent damascène. Donne-moi la main et cours avec moi. J'arrive. Scène 8, trottoir 3, la jeune fille. Si nous ne sommes pas plus de 2000 manifestants, nous ne devons pas descendre à la rue Shalem. Une voix, ils ont arrêté Salem. Qui est Salem? Le meneur du quartier Kadam. J'ai eu très peur en apprenant que les gens de Kessoué, de Kadam et d'Omleha participaient aux manifs. Je me suis dit que je vais crier, attirer leur attention. Ils me prendraient et laisseraient libres les gens d'Omleha et de Kadam. Ils n'ont rien contre moi. Salafiste? Non. Puisque je viens de la région côtière. Islamiste? Impossible. Puisque je suis comédienne. Et puis, ils ne veulent pas donner l'impression d'avoir arrêté des intellectuels ou des gens issus des minorités. Mais Salem, que va-t-il lui arriver? Que va-t-il lui arriver? Scène 9, trottoir 4, une voix. Pourquoi t'es venue ici? La jeune fille. Je fouille l'assassinat.
Ils étaient assez devant les blindés à Valsvar. Ils ne semblaient pas avoir peur de la mort. Les blindés ont tiré sur eux, alors qu'ils se donnaient du courage les uns les autres pour ne pas s'enfuir. Ils ont affronté la mort courageusement. Ils ont emporté un enfant mort entre leurs bras et se sont enfuis en criant. Scène 10. Trottoir 5. Une voix. Pourquoi t'es venu là? Pour délivrer un message. Donne-le-moi. Je ne l'ai pas encore écrit. Mets-toi là, écrit. Je ne sais ni lire, ni écrire. Où est le message? Je le veux. Il est devant toi. Je ne sais pas lire ce genre de message. Comment tu t'appelles? L'assassin. Ton patronyme? L'assassiné. Quel âge as-tu? L'âge de l'assassin et de l'assassiné. Qui es-tu? Je suis la guillotine. Je suis l'une de ceux qui ont brûlé Jeanne d'Arc. Je suis Jeanne d'Arc. Je suis l'une de ceux qui sont morts par les bombes de Mussolini. Je suis Mussolini. Je suis l'une de ceux qui ont été déchiquetés par Ceausescu. Je suis Ceausescu. Je suis l'une de ceux qui ont été brûlés vivants par Hitler. Je suis Hitler. Je suis l'une de ceux qui sont morts dans les massacres, dans les salles de torture de Bachar el-Assad. Je suis Bachar el-Assad. Je suis l'une de ceux qui sont morts à Hiroshima, à Nagasaki. Je suis celle qui a appuyé sur les boutons. Je suis les enfants d'Irak, ces femmes, ces hommes, ces vieillards morts. Je suis Saddam Hussein, je suis George Bush. Je suis les enfants de Palestine, ces jeunes, ces femmes, ces hommes. Je suis Sharon, je suis Israël. Je suis l'une de ceux qui sont morts au Liban. Je suis celle qui les a tués. Pourquoi t'es dans la rue? Pour faire connaissance avec le régime. Quel régime? Le régime qui est de fond de moi. Tu le connais maintenant? Ils m'ont connu. Écris-le alors. Je dois le brûler, le cracher. Le vomir, non l'écrire. Et pourquoi ça? Trottoir 6. Une voix. Tu vois bien que je te pousse à vivre. La jeune fille. Et ceux du pays des balles et de la guerre, vers quoi ils sont poussés? À la mort. Pourquoi? C'est la loi. Tu dois le comprendre. Sharia Drab, Massalam. La loi de la jungle, par exemple. Le Kawibia Kuntaïf.
أنا هالحضارة كذبة، المدنية كذبة، كل هالتطور كذبة. كان الإنسان يصطاد بطريقة بدائية، هلا بيذبحوا بمكان، بيحطوا لحم الحيوان المسكين بمكان تاني معلب ومغلف، مشان ننسى إنه في حيوان انذبح بمكان ما، والإنسان يلي عم ينذبح هنيك صرنا عم نذبح ونضبح ونتخفي بتياب مدنية توزع لحم معلب بكل أنحاء العالم. Le plus fort dévore le plus faible. Ça veut dire que la civilisation est un gros mensonge, tout développement est un mensonge. Avant, l'homme allait à la chasse avec des moyens primitifs, maintenant ils égorgent la malheureuse bête quelque part et conservent la viande ailleurs, dans des emballages et des boîtes, pour nous faire oublier que l'animal a été égorgé quelque part, et l'être humain qui est égorgé. Je crois qu'il a été égorgé par un prédateur portant les habits de civilisé, sa chair est mise en conserve partout dans le monde. تشبع، تنسى انه عم تاكل لحم يلي انذبح هنيك مو هيك؟ Les gens mangent, sont repus, ils oublient qu'ils mangent la chair de celui qui a été égorgé là-bas, n'est-ce pas? Qui t'a dit le contraire? Scène 12, trottoir 7, une voix. Je rentre à Dera. Pourquoi? Il m'oblige à apporter les armes. Mais les armes ne sont pas la solution. Je deviens fou. Je veux partir à Dera avec toi. T'es complètement folle. Il faut faire le serment de rester pacifiste. Le régime tue le peuple, les gens n'en peuvent plus. Il vaut mieux mourir assassiné qu'assassin. Il vaut mieux léguer l'amour que léguer la guerre. Viens. Je les connais bien. Ils ne voulaient ni la guerre, ni les armes. Ils voulaient l'amour, la dignité, le pain, la joie. Ils voulaient la liberté et la justice. On les a assassinés. On leur a fait porter les cercueils de leurs enfants. Ils ont été brisés. Ils ont été défaits. Ils ont dû porter les armes. Scène 13. Trottoir 8. Une voix, accent de Barzé. Peux-tu rassembler des jeunes de la région de la côte et nous rejoindre à Barzé? C'est pour des condoléances. Bien sûr que je peux. Scène 14, trottoir 9, une voix. C'est quoi ce vendredi des descendants de Khaled? Je croyais que le slogan « Le vendredi de l'Union nationale » avait gagné plus de voix. Le régime affirme qu'il s'agit d'une révolution islamiste. Vous voyez bien que Homs est en train de s'embraser sur le plan sectaire. Je vais dans la banlieue de Barzé. Il me faut un appareil de transmission en direct. Scène 15, trottoir 10, la jeune fille. Promettez-moi de sortir tous ensemble sous le slogan « Le vendredi de l'Union nationale ». Une voix. Demain, toutes les banlieues de Damas sortiront manifester sous le slogan de l'Union nationale. Je te le promets. Scène 16, trottoir 11. T'as vu les francs-tireurs sur les terrasses des maisons? Je les ai vus. Les blindés, je les ai vus. Les BTR, je les ai vus. Les checkpoints des Shabiha, je les ai vus. Les martyrs qui sont tombés, je les ai vus. Et tu veux pas qu'on prenne les armes? La jeune fille. أطلق رؤاك على التراب لأنه ينبت رؤاك. Lance ta vision sur la terre pour qu'elle bourgeonne. أطلق نداءك للمياه لتصير غيما في سمعك. Lance ton appel sur l'eau pour qu'il devienne un nuage dans ton ciel. أطلق يديك على الرياح فإنها ستكون.
تنمم نضف السحاب أطلق حنينك للسحاب فينهمر حبا لحبا ولتنحني للأرض أمك لتخرج ما فيها لك من فرح منسيك محلك أطلق زهورك في النور لفراشة تهوى زهورك أطلق صراخك للسماء فالسماء تعيد صحبك أطلق نداءك للجمال وللحياة فيزحف بين الضلوع ويلأم أفلام روحك Lance tes mains sur le vent pour qu'elle ramasse les nuées. Lance ta nostalgie vers les nuages pour qu'elle devienne l'amour de ta semence. Que ta mère se penche sur la terre, qu'elle te donne toute la joie capable de te faire oublier ta place. Lance tes fleurs dans les champs pour un papillon passionné de fleurs. Lance ton cri au ciel, parce que le ciel te rendra ta lucidité. Lance ton appel à la beauté, à la vie, qu'elle rampe entre tes côtes, qu'elle s'adapte à ton âme émoussée. فتطلق الصمت لصمتك وانتظر كشفا لذاتك من تكون لتكون كونك من تكون لكونك Lance le silence de ton silence et attends-toi à te dévoiler à toi-même pour être ce que tu es. Scène 18, trottoir 13, une voix. Où est le message ? La jeune fille. Shujan, Boaz, Abtal. Vous êtes des hommes courageux et téméraires, vous êtes des héros. Wujuhkoum mahfour à wujhi. Hadirkoum khallani isma. Imankoum khallani amin. Sodokoum khallani isdok. Karamkoum khallani karimi. Nourkoum khallani shah. نظافتكم غسلتني بماء الورد شهدائكم كفنوني كفن الفجر تكبيركم خلاني سبح بسم ربي الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Vos traits sont gravés sur mon visage. Votre hurlement m'a permis d'entendre, votre foi m'a donné la foi. Votre sincérité m'a fait croire, votre générosité m'a rendue généreuse, votre lumière m'a fait étinceler, votre pureté m'a lavé à l'eau de rose. Vos martyrs m'ont enseveli dans un linceul d'aurore. Vos incantations m'ont poussé à glorifier le nom du Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang, lit, car ton Seigneur est le très généreux qui a instruit l'homme au moyen du kalam et lui a enseigné ce qu'il ignorait. Le Coran. Scène 19. Trottoir 14. Une voix. Comment tu t'appelles ? La jeune fille. N. Ton patronyme ? Ancestral. Où est le message ? Scène 20. Trottoir 16. La jeune fille. J'ai eu peur pour eux. Je leur ai dit, ne prenez pas les armes. Ne faites pas ce cadeau au régime. C'est comme si vous lui disiez, tue-nous, donne au monde le meilleur prétexte pour nous tuer. Un fusil et un pistolet ne font pas reculer un blindé. Homs a été rasé imperturbablement par le régime. Ses classes, ses maisons, ses coins recoins, les souvenirs de ses enfants et de ses jeunes, les rêves de ses gosses, leurs jouets, leurs cartables, leurs gribouillages, leurs rires. Les corps à linge sur les balcons, les chambres du grand-père et de la grand-mère, le peu de fleurs, tout s'est brisé par terre, dans la mémoire, dans l'âme. Et tu voulais quand même pas qu'ils crèvent sans essayer de se défendre. Good.
21, trottoir 17, la jeune fille. Vous vous défendez comment? Avec un pistolet? Avec un fusil? Une voix. Nous défendons les rues. Et si le régime envahit la ville avec les blindés comme à des rats, qu'allez-vous faire? Ça ne se fera pas, car il y aura une intervention militaire de l'OTAN. Et s'il n'y a pas d'intervention militaire? Dieu nous aidera. Scène 22, trottoir 17. Est-ce que j'étais aveugle? J'ai bien vu ce que j'ai vu. J'ai subi les sièges et les barrages avec eux. Le sang passé devant les blindés, devant les francs-tireurs plusieurs fois. Nous avons été assiégés par les blindés, l'armée, les agents de sécurité et les criminels. Faut bien se défendre jusqu'au dernier souffle, non? Nizam mujrim mtouhach. Ana shahed ala annou amel majazir mabtan wasif wala bitahammal aql bashari. C'est un régime cruel et meurtrier. J'ai été le témoin de massacres impossibles à décrire tant ils sont affreux et inconcevables. Comment ceux qui les ont perpétrés ont-ils pu les supporter? Au nom de quoi? Qui leur a donné l'occasion? Qui est-ce qui nous torture de la sorte avec autant de sauvagerie? Tuer et se faire tuer. Qui voudrait que cette roue continue à tourner? Moi? Qui? Moi? Qui es-tu, toi? Le régime. Scène 23, la jeune fille. Pourquoi tu fais ça? La voix. Qu'est-ce que je fais? Partout tu as créé le conflit. Moi? Tu as créé Adam, Ève et la pomme. Tu as envoyé Satan pour les tenter, pour que le péché nous fasse tomber en enfer, pour que ce soit la femme Ève qui accouche du premier assassin, du premier assassiné, pour qu'il y ait plein d'assassins, de victimes, de forts, de faibles, pour que des millions de péchés surviennent dans le monde. Tu as envoyé sur la terre des livres saints et des prophètes qui nous ont divisés et nous ont fait noyer les uns des autres. Tu nous as créés en peuple, en tribu, en langue, en religion, en symboles indéchiffrables. Ce peut être déchiffré. Nous avons cru en toi. C'est absurde. Tout est absurde. L'amour, la folie, le régime, la pensée, la révolution, la liberté, la prison, toi. Tu y es l'absurdité même. Tu y es l'absurdité même. Fais gaffe à la photo. Qui m'a photographié? Formé. Appelé. Écouté. Guidé, qui m'a donné le choix, qui me donne, qui me prend, qui me rend riche, qui me fait pauvre, qui me donne la vie, qui me l'enlève, qui me dit que ce que je fais est bon ou mauvais, d'où tient-il les critères du bien et du mal d'ailleurs pour me conseiller? Tout ce qui nous arrive, arrive grâce à toi, à cause de toi. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu ne veux? Fiche-nous la paix, enfin. D'accord. Arrête tout. Quel sera mon destin? Où est mon chemin? Voilà.
l'obscurité. Salon. Raton. كيف نركب سيارة أو طيارة أو مترو ونحن متأكدين إنه راح نوصل؟ في شي جواتنا يضل عم يرشدنا طمنا نسينا الخوف والمخاطر صوت نسينا نسمعه من كتر ما في ضجيج براسنا صوت خفي ناعم يقلنا دايما لا تخاف أنا معكم Obscurité. L'inconnu est effrayant. Dans chacun de nos pas, nous découvrons quelque chose d'effrayant. En prenant la voiture, le train, le métro, comment sommes-nous sûrs d'y arriver? Il y a quelque chose au fond de nous qui nous guide, qui nous rassure, qui nous fait oublier la peur et les dangers. Nous oublions l'entendre tant il y a le bruit dans notre tête. Pourtant, une voix basse, douce, délicate, profonde, nous dit « Ne craignez rien, je serai avec vous là où vous irez, je vous éclairerai. » Ils sont emprisonnés, ils sont partis, ils ont répété, dégagés, ils ont attaqué, ils se sont défendus, ils ont été chassés, ils sont revenus, ils ont été humiliés, ils se sont levés, ils ont été tués, ils sont morts, ils ont été enterrés, ils ont été tués, ils sont morts, ils ont été assiégés, ils ont choisi, ils ont été armés, ils sont morts, ils ont tué, ils ont été tués, jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Votre tour arrivera. Que l'on j'aille d'or. يلي قتل ويلي عم يقتل دفاعا عن حاله وعن غيره ويلي عم يقتل اللي بعد الموت عنه ويلي عايش عم يتفرج على يلي عم ينقتلوا وعم يقتلوا ويلي عم يحرض على القتل ويلي عم يبعت سلاح ليلي عم ينقتلوا ليدافعوا عن حالهم طيبون يحبون ان يرسموا العمر بالرحلات وان يلجأوا عندما يهرمون الى صورة العائلة ويحبون ان يجعلوا حبة الرز قبة ضوء لكي يرهبوا شعلة القنبلة ورثوا بهجة البن من ثغر أجدادهم في الحقول ومن صوت أجدادهم ورثوا لهجة الصنبلة. Ce sera le tour de tout le monde. Ceux qui tuent, ceux qui se défendent, ceux qui défendent les autres, ceux qui se contentent de regarder, ceux qui incitent au meurtre, ceux qui fournissent les armes, ceux qui dessinent la vie grâce au voyage, ceux qui, vieux, reviennent à la photo de famille, ceux qui font du grain de riz une coupole de lumière pour faire trembler la mèche de la bombe, ceux qui ont hérité du café de leurs ancêtres dans les champs, ceux qui ont hérité l'accent de l'épi de blé. Scène 25. La jeune fille. Comment tu t'appelles? La voix. L'origine. Ton patronyme. L'unique. Quel âge as-tu? Je suis éternelle. Que viens-tu faire ici?
et être avec vous. Pourquoi? J'ai eu l'impression que la mort se rapprochait de moi. Je l'ai vu partout sur les visages des enfants, des jeunes, des vieux, des soldats, des chefs, des paysans, des princes, des bandits, des chiens et des girafes, des oiseaux et des papillons. Je viens pour être avec vous. Mais tu es le régime, et le régime est ton nom. Ne modifie pas. Aime-moi. Le régime est ton nom. Tout est nécessaire. Nous avons cru en toi et tu nous as déçus. Ceux qui n'ont pas pris les armes sont morts. Ceux qui ont pris les armes sont morts aussi. Chacun attend son tour, avec ou sans la guerre. Accepte-moi tel quel. C'est nécessaire. Pourquoi nécessaire? Tu crées la vie pour la prendre? Pourquoi est-ce que tu crées la mauvaise herbe avec le blé? Pourquoi envoies-tu le vent pour arracher les arbres? Pourquoi envoies-tu le lion pour dévorer la gazelle? Qu'est-ce que tu cherches en fin de compte? Pourquoi as-tu créé tous ces conflits? بدي نكسر الجليد ودوب المعدن ينعجن المعدن بالتراب وتشتت الدنيا وتهب الريح لتثبت الصورة وتشوي النار لتستقيم وتقيم وتسكنوا لتسكنوا لتكتملوا ترجعوا لي تصيروا أنا تصير أنتم. Je veux casser la glace, faire fondre les minerais, y mélanger la terre, faire tomber la pluie, se lever le vent pour fixer l'image, la mettre au feu pour que vous vous redressiez. Je serai vous, vous serez moi. Tout c'est au monde pour revenir à toi. Les conflits sont au fond de vous, la guerre est en chacun. Quand elle s'arrêtera en vous, elle s'arrêtera dehors. Quel amour, tu as le cartel ou le tazi, pour ce jour, le marab, le joie, ou le fakar, ou le harb, ou le dabh, ou le rat, ou le chabab, ou le kohol, ou le ajaz, ou le ajaz, ou le ajaz, ou جسدنا سجن، رقباتنا سجن، حاجاتنا سجن، البيوت سجن، المؤسسات سجن، الأنظمة سجن، الكرة الأرضية سجن. Tant de morts, de meurtres, de prisons, de maladies, de famines, de massacres pour que nous revenions à toi. Nos désirs sont une prison, nos besoins, notre corps, les institutions, nos maisons, la terre entière est une prison. La route est longue. Longue. Guide-nous. J'ai marché sur ton chemin, puis j'ai douté de toi. Le silence. Le silence. Je dois noter longtemps pour arriver jusqu'à toi. Merci à ceux que j'ai tués et qui m'ont tué. Merci à ceux que j'ai haïs et qui m'ont haï. Merci à ceux que j'ai torturés et qui m'ont torturé. Merci à ceux que je n'ai pas respectés et qui ne m'ont pas respecté. Ils m'ont permis d'exister, de vivre, de sentir. Je vais les quitter sans qu'ils me quittent, parce qu'ils vivent en moi, avec moi, afin que je les aime et qu'ils m'aiment, afin qu'ils me pardonnent et que je leur pardonne, afin qu'ils me délivrent
et que je les délivre. J'ai beaucoup tué pour être tué aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé pour être vivante aujourd'hui. Merci à tous ceux avec qui j'ai commencé mon chemin. Ils sont vivants et je n'ose pas dire leur nom pour que ne le jette pas en prison. Merci aux martyrs que je connais avec qui j'ai partagé mes repas. Merci aux martyrs que je ne connais pas parce que je les connais quand même. Le voyage sera peut-être long. Je ne trouverai peut-être pas, mais je pourrai me trouver moi-même. Le message ne s'arrête pas là. La pièce n'est pas finie. Nous laissons la vérité venir à nous ou nous partons. Pourquoi la route a-t-elle été si longue? Toute une génération à la recherche de ces miroirs qui passent et se perdent dans ces miroirs. Une autre génération arrive, plante des fleurs, se feint sans ouvrir la bouche. Ne faisons de la vérité une illusion quand nous lui cherchons des substituts. Le messager m'a surprise en disant « Je t'ai offert l'amour. » J'ai dit « Je n'accepte pas de cadeau. Je me sacrifie pour toi. » Et je continuais à dire « Je n'accepte pas de cadeau. » Il s'est agenouillé et m'a dit « Tu es mon messager. » Je lui ai tourné le dos. Il s'est levé, a marché, s'est approché, m'a touché. Il a levé les yeux au ciel en s'écriant. Je vous ai envoyé un message. Merci, mon messager, Omar Suleiman.